Garçon! Garçon! Vous m'avez appelé? Non. Vous êtes chez vous, madame. Si vous avez des questions à me poser. D'ordinaire, les clients aiment à se renseigner. Je n'insiste pas. D'ailleurs, pour la brosse à dents, la sonnette et le bronze de Barbedienne, monsieur est au courant. Il vous répondra aussi bien que moi. Où est Florence? Je vous demande où est Florence. J'en sais rien. C'est tout ce que vous avez trouvé. La torture par l'absence. Eh bien, c'est manqué. Florence était une petite sotte et je ne la regrette pas. Je vous demande pardon. Pour qui me prenez-vous? Vous? Vous êtes le bourreau. C'est une méprise tout à fait amusante. Le bourreau, vraiment. Vous êtes entré, vous m'avez regardé et vous avez pensé, c'est le bourreau. Quelle extravagance! Le garçon est ridicule. Il aurait dû nous présenter l'un à l'autre. Le bourreau. Je suis Joseph Garcin, publiciste et homme de lettres. La vérité, c'est que nous sommes logés à la même enseigne. Madame... Inès Serrano, mademoiselle. Très bien, parfait. Eh bien, la glace est rompue. Ainsi, vous me trouvez la mine de bourreau. Et à quoi les reconnaît-on, les bourreaux, s'il vous plaît? Ils ont l'air d'avoir peur. Peur? C'est trop drôle. Et de qui? De leur victime? Allez, c'est ce que je dis. Je me suis regardée dans la glace. Dans la glace? C'est assommant. Ils ont ôté tout ce qui pouvait ressembler à une glace. En tout cas, je puis vous affirmer que je n'ai pas peur. Je ne prends pas la situation à la légère et je suis très conscient de sa gravité. Mais je n'ai pas peur. Ça vous regarde. Est-ce qu'il vous arrive de temps en temps d'aller faire un tour dehors? La porte est verrouillée. Tant pis. Je comprends très bien que ma présence vous importune et personnellement, je préfère rester seul. Il faut que je mette ma vie en ordre et j'ai besoin de me recueillir. Mais je suis sûr que nous pourrons nous accommoder l'un de l'autre. Je ne parle pas, je ne remue guère et je fais peu de bruit. Seulement, si je peux me permettre un conseil, il faudra conserver entre nous une extrême politesse. Ce sera notre meilleure défense. Je ne suis pas poli. Je le serai donc pour les deux. Votre bouche. Plaît-il? Vous ne pourriez pas arrêter votre bouche. Elle tourne comme une toupie sur votre nez. Je vous demande pardon, je ne m'en rendais pas compte. C'est ce que je vous reproche. Encore? Vous prétendez être poli, vous laissez votre visage à l'abandon. Vous n'êtes pas seul. Vous n'avez pas le droit de m'infliger le spectacle de votre peur. Vous n'avez pas peur, vous? Pourquoi faire? La peur, c'était bon avant, quand nous gardions de l'espoir. Il n'y a plus d'espoir, mais nous sommes toujours avant. Nous n'avons pas commencé de souffrir, mademoiselle. Je sais. Alors, qu'est-ce qui va venir? Je ne sais pas. J'attends. Non, 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 ne relève pas la tête. Je sais ce que tu caches avec tes mains. Je sais que tu n'as plus de visage. Oh! Je ne vous connais pas. Je ne suis pas le bourreau, madame. Je ne vous prenais pas pour le bourreau. J'ai cru que quelqu'un voulait me faire une farce. Et qui attendez-vous encore? Il ne viendra plus personne. Ah! Alors nous allons rester tout seuls, monsieur, madame et moi. Il n'y a pas de quoi rire. Mais ces canapés sont si laids. Et voyez comment on les a disposés. Il me semble que je suis le premier de l'an et que je suis en visite chez ma tante Marie. Chacun a le sien, je suppose. Celui-ci est à moi. Mais je ne pourrai jamais m'asseoir dessus, c'est une catastrophe. Je suis en bleu clair et il est vert épinard. Voulez-vous le mien? Le canapé bordeaux. Vous êtes trop gentil, mais ça ne vaudrait guère mieux. Non, qu'est-ce que vous voulez? Chacun son lot, j'ai le vert, je le garde. Le seul qui conviendrait à la rigueur, c'est celui de monsieur. Vous entendez, garçon? Le canapé, oh, pardon. Il est à vous, madame. Merci. Faisons connaissance, puisque nous devons habiter ensemble. Je suis Estelle Rigaud. Inès Serrano. Je suis très heureuse. Joseph Garcin. Avez-vous encore besoin de moi? Non, allez, je vous sonnerai. Vous êtes très belle. Je voudrais avoir des fleurs pour vous souhaiter la bienvenue. Des fleurs? Oui, j'aimais beaucoup les fleurs. Elle se fanerait ici. Il fait trop chaud. Bah, l'essentiel, n'est-ce pas, c'est de conserver la bonne humeur. Vous êtes... Oui, la semaine dernière. Et vous? Moi? Hier. La cérémonie n'est pas achevée.
Le vent dérange le voile de ma sœur. Elle fait ce qu'elle peut pour pleurer. Allons, allons, encore un effort. Voilà, deux larmes, deux petites larmes qui brillent sous le crêpe. Olga Jardet est très laide ce matin. Elle soutient ma sœur par le bras. Elle ne pleure pas à cause du rimmel et je dois dire qu'à sa place. C'était ma meilleure amie. Vous avez beaucoup souffert ? Non, j'étais plutôt abrutie. Qu'est-ce que... Une pneumonie. Eh bien, ça y est, ils s'en vont. Bonjour, bonjour. Que de poignées de main. Mon mari est malade de chagrin. Il est resté à la maison. Et vous ? Le gaz. Et vous, monsieur ? 12 balles dans la peau. Excusez-moi, je ne suis pas un mort de bonne compagnie. Oh, cher monsieur, si seulement vous vouliez bien ne pas user de mots si crus, c'est choquant. Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être n'avons-nous jamais été si vivants. S'il faut absolument nommer cet état de choses, je propose qu'on nous appelle des absents, ce sera plus correct. Vous êtes absent depuis longtemps ? Depuis un mois environ. D'où êtes-vous ? De Rio. Moi, de Paris. Vous avez encore quelqu'un là-bas ? Ma femme. Elle est venue à la caserne comme tous les jours. On ne l'a pas laissée entrer. Elle regarde entre les barreaux de la grille. Elle ne sait pas encore que je suis absent, mais elle s'en doute. Elle s'en va à présent. Elle est toute noire. Tant mieux. Elle n'aura pas besoin de se changer. Elle ne pleure pas. Elle ne pleurait jamais. Il fait un beau soleil et elle est toute noire dans la rue déserte, avec ses grands yeux de victime. Ah, oh, elle m'agace. Thank you.
Thank you.